practical inspiration to all. Working hard every day, never to fall. From bottom to the top, Tom Psycho never stops. Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. On est dans une situation critique. 3 points de retard, 6 matchs. Là, faut plus faire d'erreurs et pourtant on a vraiment l'impression que ça est un peu indépendant de notre volonté quoi. On fait vraiment ce qu'on peut mais c'est dur. Le titre va se jouer maintenant, c'est parti les gars. Allez, il faut absolument gagner, gagner, gagner et gagner. Allez, faut espérer qu'en 6 matchs, on gagne tout. Et qu'il y ait un faux pas, sinon, c'est la lose. Allez, vas-y. Là, faut être des chiens énormes. Réussir 3 passes en corner, vas-y. De toute façon, les défis, là, je vais pas vous mentir. On va pas les focus. Là, il faut qu'on détruise nos adversaires à chaque fois. Il y a aussi le goal average qui va peut-être rentrer en jeu. Hein. Donc, faire attention. Compliqué de dribbler. Hein. Compliqué de dribbler les adversaires comme à chaque fois. Ah! Dommage. Au moins, on montre qu'on a envie. Hein. Il joue tout en bas, il est tout seul. C'est quoi ces frappes? Allez, c'est pas grave. Tranquille, tranquille, pas de putain! Oh les gars, vous êtes plus sereins. Bon, vous allez me dire que moi non plus, mais. Voilà, on s'est replacé. Hein. On s'est replacé. Hein. Allez. Jouer devant, putain. Oh, allez là. C'est quoi le principe? C'est surtout de ne pas marquer les gars. Il y avait 3 possibilités de frappe, ils l'ont pas fait quoi. Pression. Dommage. Ah, je sais d'aller tout seul hein, parce que apparemment ils ont branché sur petite faute, non? C'est pas possible, finissez ces actions là les gars, s'il vous plaît. Oui, non. Non mais... les gars, il y a trop de petites choses, il y a trop. Là, si on est champion, franchement, je vous dis, on l'aura mérité. Hein. Ouais, ça faisait longtemps la carrière de fou, mais là, tu vois, cette semaine, comme je disais,
les événements ne nous plaisent pas trop sur Ultimate Team. Donc du coup, bah, on profite de retourner en carrière. Hein, c'est un plaisir. Oui. Voilà, hop, c'est bon. On peut quitter. On se blesse pas. 2-0, ça devrait le faire. Normalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. 4-0, merci beaucoup. On continue. Les Atletico, j'ai pas vu le résultat. J'ai pas vu le résultat de l'Atletico. Est-ce qu'il y a eu un faux pas? Il n'y a pas eu de faux pas. Si, putain. Ah non, pardon, ils ont pas joué. Ah putain, par contre, Golaverage, ça compte pas. C'est la confrontation directe, c'est ça? Ah merde. Pas bon ça. Pas bon signe cette histoire. Il faut donc deux faux pas. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur les gars. Ouais, ça va être dur. Il reste trois matchs, ils ont gagné. Oh putain. Putain, même un faux pas en fait ça marche pas. On passe pas devant le goal average. C'est quoi la règle maintenant? C'est confrontation directe? C'est possible. Je sais même pas en vrai. Ah ouais, non, finir à égalité avec eux et être derrière par rapport à la confrontation, ça ferait mal. Hein. Non, oh, Marc. Tu pouvais siffler la faute. Hein. Tu pouvais la siffler, mon petit pote. Frappez, juste frappez. Tentez votre chance, quoi. Vous risquez rien. Stressé. Je sens qu'en fait on va perdre le championnat et ça me fait chier. J'ai pas envie de refaire une saison en Espagne, les gars. Oh là là, on est bancal. Hein. On est bancal de ouf. Hein. Oh là. Très dur. J'ai l'impression que le niveau a augmenté depuis qu'on a joué contre la Tico. C'est impressionnant. Impressionnant le changement. Allez, let's go. Bien joué. Y'a qui dans ton équipe? Écoute, des plus forts, on a Pedri qui est toujours là, on a Ousmane qui est toujours là. Et en vrai, après, ça, il y a eu pas mal de changements quand même. Mais sinon, ouais, des bases, il y a ça de Barça quoi. Après, on a un défenseur central un peu chelou, on sait pas trop qui c'est, on a un gardien aussi à 79 de général, bizarre. On a Kimmich qui est arrivé aussi, qui fait partie des top joueurs chez nous. Par contre, ce défenseur-là, il est vigoussin. Oulala, attention.
Mount aussi, ouais, Mount est arrivé. Après Mount, il a pas forcément énormément up. Hein. Ok, ce serait bien un petit but là avant la mi-temps. Franchement, ça ferait du bien. Beaucoup de bien au moral. Il faudrait absolument qu'il fasse au moins un match nul là sur les deux prochains matchs. Sur celui-là ou le prochain, l'Atletico. Et peut-être qu'on pourrait espérer. Si le premier faux pas fait du temps arriver, ça va être mort les gars. Ah, il est bon hein, ce Hassan là. Il nous prend toutes les balles. Ok. Allez. Avançons. Est-ce qu'on a les résultats à la mi-temps éventuellement? Pas qui nous intéresse, non. Ok. Allez. Juste la victoire, après le reste, ça dépend plus de nous. Mais sur un malentendu, on peut avoir un peu de chance une fois, ce serait cool. On a déjà vécu ce moment-là hein, sur d'autres saisons. Malheureusement, le jeu est pas très cool. Hein. Vraiment, quand il s'agit des derniers jours, éventuellement, que le titre se joue, si t'es pas devant, tu finis rarement devant. Allez, joue à côté de toi, tu vois bien qu'il y a un mec qui est juste en face de toi. Bien évidemment, on met une balle en l'air. Pas d'idée offensivement. L'angle était fermé, mais bon, on peut pas faire grand chose d'autre. Let's go. Allez. On sort sur ce match. On a mis nos deux buts. On se tire. Allez, 3-0. Atletico, pas de résultat ici. Pas joué encore. Putain, mais ouais, ils vont pas faire de faux pas, mais c'est sûr qu'ils vont pas en faire de faux pas, putain. C'est sûr, ils vont pas en faire de faux pas, je vous le dis. On va tout donner, mais ils vont pas en faire, hein. Ah ouais, ils ont gagné en plus, ouais, c'est mort, les gars. C'est archi mort, putain. Ce jeu... On va essayer hein, les gars, on va pas lâcher hein. Mais malheureusement les gars là, il reste 3 matchs après. Ils doivent faire 2 faux pas en 3 matchs. Bon, bah, c'est inexistant, ça n'existe pas quoi. Voilà, on se bat les gars, on se bat, on est un peu seul contre tous, mais on se bat, franchement on lâche pas hein. Putain, si j'avais su, j'aurais signé à l'Atletico, on m'avait proposé. J'aurais dit oui hein. Dommage. Utiliser l'appel. Bien joué. On donne tout, hein, mais.
ça va être tendu, malheureusement. Denis. Mais là derrière. La défense. Qu'est-ce qui... Frérot, mais explique-moi en fait, c'est quoi le projet Ils perdent des balles, mon gars. Ben oui, en fait, c'est scripté, c'est abusé. C'est impossible que le script n'existe pas dans FIFA, quoi. C'est incroyable. J'ai envie de mettre un gros tax. Je vous jure, j'ai envie de tacler, me prendre un rouge, que ce soit réglé. Ah putain. En plus, je sais que tu vois, là, je peux pas les rattraper parce que bah, ils ont pas fait de faux pas. C'est frustrant de ouf. Les saisons sont longues et tu tapes une saison entière pour au final pas remplir ton objectif, c'est affreux. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Petit périmètre, tout ça. Beaucoup trop petit périmètre. J'ai limite envie, tu sais, de simuler la fin du match parce que j'ai l'impression que j'ai plus de chances de me prendre un but en jouant que en laissant au final le jeu simuler la fin du match. Je peux pas tirer Ousmane une fois, t'es en bonne position, tu fais aucune frappe. Je sais même pas combien t'as de buts dans cette saison, mais c'est scandaleux. De la passe, de la mauvaise passe. Fait marquer parce que bon, au bout d'un moment, il avait pas de stats. Allez, on s'en va. Problème de carte sur fuite. Non, après j'arrêterai les gars. Ouais, j'ai pas envie d'aller sur fuite cette semaine vraiment les gars. Il y a pas grand chose qui nous intéresse. Allez, on gagne 4-1. On sait qu'il y a pas eu de faux pas.
Donc il faut qu'on ait au match suivant. Et toujours espérer les gars. Espérer. Il reste 3 matchs. Il faut 2 erreurs de mes adversaires. 3 matchs. Real Betis. Allez. S'il vous plaît, s'il y a un bon dieu du football en mode carrière FIFA, il faudrait qu'il arrive maintenant là parce que ça va être tendu. Hein. C'est pas le but de faire un match et puis etc. Tu vois, mais c'est vrai que la saison elle est longue là. Et on est un peu déçu de putain, mais c'est mon allié qui me stoppe. Mais c'est la vraie vie. Et c'est juste voilà, si proche, ça fait chier quoi. Mais... Après bon, voilà, c'est la vie. Hein. On peut pas tout réussir en une saison non plus. Hein. Bien joué, belle action. Belle passe extérieure du pied, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Allez, un petit deuxième but. On simule. Ils ont perdu. On a deux finales. Ça va être ça le programme. Ou match nul, peu importe. Ils ont perdu ou match nul. On peut pas dire qu'on donne pas tout. Hein. Après ce match, il en reste deux. Là, faudrait... Vraiment au moins un match nul sur ce match-là de l'Atlético. Et tous les espoirs sont permis, mais... Voilà, c'est réglé. Merci beaucoup, au revoir monsieur. Ça c'est quand même bien, tu vois, de pouvoir... Bon, c'était chaud quand même, mais... Quand tu gagnes 2-0, souvent tu simules, après c'est bon. L'Atlético, pas de résultat ici. C'est impossible. Ça va être impossible, les gars, malheureusement. Désolé, hein. Mais là, là j'ai tout donné. Et malheureusement. Ils tombent pas. Hein. Ils tombent pas. Hein. Il reste 2 matchs de la saison. Et ils ont 3 points d'avance toujours. Hein. On a beau avoir un goal average mieux. Là, en fait, le problème, c'est qu'apparemment, si on est égalité, c'est pas nous premiers. Ce qui fait que il faut qu'il fasse 2 faux pas. Donc un match nul, une défaite ou 2 matchs nuls. Sinon ce sera terminé du championnat les potes. Donc on va tenter ce match, hein, même si on n'a pas trop d'espoir. Et puis ma foi, on verra ce qu'on va faire à la fin de cette saison. Mais là c'est vrai que c'est un gros coup sur le moral là. En vrai, la flemme. Hein. À tout moment, Manchester en plus est en train de gagner avec des champions. Faudrait qu'on regarde. Ce serait ouf. Ils étaient encore en lice. La dernière fois qu'on a regardé. Allez, 1-0. Ah, nous, on fait le taf. Hein. On marque des buts. Hein. On a l'impression que je suis un amateur tellement on en marque. Mais au final, non, avant la difficulté. Mais le script est omniprésent. Hein. On s'est fait quand même bien douiller hein, sur l'avant-dernier épisode. Ça va être dur. Bon, après, à tout moment, on va voir Pop que l'Atlético est en train de perdre. Hein. C'est possible, mais... Après, connaissant le script, à tout moment, ils ont fait exprès... Là, ils vont faire exprès de me faire croire. Hein.
bien suivi, hein, le défenseur. Allez, 2-0. Hyde Prince. Et tout va jouer là. Atletico. Pas vu. Et pas vu ce qu'ils ont fait. C'est fini. On sera pas champion. Malheureusement, les gars. C'est mort. C'est mort de chez mort. On peut plus être champion. Donc on va simuler ce match et puis pleurer tous ensemble. On a gagné le dernier match en plus. Et malheureusement, malgré tous nos efforts, le faux pas est arrivé à la fin pour nous laisser à un point. Putain, mais non! Mais non! Oh, j'ai un seum, les gars. J'ai un seum, vous vous rendez même pas compte. Et c'était City Athletic. En plus, ils sont en finale. En plus, ils ont éliminé Manchester. Oh, c'est dur. C'est très, très dur. Juste voir qui a gagné. Je pense que c'est City, en vrai. C'est dur, c'est tellement dur. J'ai envie de chialer. Dortmund champion. Ah non, c'est ok, d'accord. Okay. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Première ligue. Oh là là, on est parti. On est même plus en Ligue des Champions avec United, les gars. Putain, 8ème. Mais non, mais c'est quoi ce délire? Oh là là, il n'y a rien qui va, les gars. Vas-y, on retourne à United. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on retourne. Comment on fait? Je veux retourner à United. Je veux retourner à United, les gars. C'est... Non, c'est tout. Ma carrière. Non, c'est pas là. Accueil équipe. Non, moi, je veux retourner. S'il vous plaît. Laissez-moi retourner. Je sais même pas comment on fait. Au moins, saison prochaine avec United, on a pas de problème, quoi. On n'a pas d'autres défis, etc. Il y a pas de Ligue des Champions, on va être focus sur le championnat, quoi. La déception est grande. Retourner au club, c'est ? Espérons qu'on arrive à United ou qu'on puisse se demander. Ah non, je refais pas une saison en Espagne, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis clairement. Hein. Mais même là, tu vois, enfin. La flemme. On va remonter United, c'est tout, on va se focus sur United. Mais... On va remonter United. Ou alors on signe à Servette. J'aimerais tellement pouvoir signer à Servette, les gars. Avec un 95 de général. On peut pas approcher les clubs. Hein. On peut pas dire, voilà, j'aimerais venir chez vous, quoi. C'est tellement dommage. J'aimerais bien aller finir ma carrière là-bas, tu vois. Sport, tout va bien? Vous en sortez? Ok, on est de retour, les gars. Ah là là, allons voir l'équipe. Parce que là, je pense qu'on a perdu pas mal de joueurs vu qu'on n'est pas qualifié. Alors, Dera est toujours là, mais on a un monsieur Vandervoet qui est par ici. Fernandez, défenseur gauche, pas forcément évolué. On a Truffert qui est toujours mieux.
Ensuite, on a Tapsoda, Romero en défense centrale. Voilà, c'est plutôt sympathique quand même. En défenseur droit, voilà, toujours qu'un seul défenseur droit sort, on ne sait pas ce qu'il fout. McTominay et Rice en milieu défensif. Verratti aussi toujours là. Coupe Miners, ok. Bruno Fernandez est toujours là. Mejbri a passé à 80. Elanga à 82. Anthony à 87. Pelistri. Kulusevski est là. Et ok, ouais, on n'a vraiment pas un bel effectif. Hein. On va pas faire semblant. On n'a pas un bel effectif, les gars. Mais bon, bah, c'est la vie. Et nous, on va essayer de remonter United là où on veut qu'il soit. Et on verra bien ce que ça va donner lors des prochains épisodes. Mais là, c'est clair que... On est déçus. Hein. On est déçus de cette saison en Espagne. Là, ça n'a pas été un prêt vraiment concluant. Hormis le fait qu'on a été meilleur buteur. C'est un fait, mais bon. Ça, au final, on aurait bien voulu le championnat. C'est plus dur à aller chercher, je trouve, clairement. Mais bon, bah, écoutez, ma foi, c'est comme ça. Et on va se motiver et relancer cette carrière et espérer faire des bons résultats. Tout simplement. On a 92 de général. Aïe. Bon, les petits potes, on va pas tergiverser Milan, hein, on va pas faire grand chose de plus aujourd'hui. Je vous fais des bisous, à la prochaine et bye tout le monde. Ciao les gars.